Aujourd'hui, ma présentation va tourner autour du terme de cybercriminalité, comme on vient juste de le dire, et je vais diviser ma présentation en cinq grandes sections où je vais commencer par parler un peu plus du terme de cybercriminalité, donc qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on est capable de diviser les différents comportements qui sont reliés à cette cybercriminalité-là. Et ensuite, je vais rentrer dans un point de vue, une approche un peu plus historique, si on veut, pour comprendre vraiment l'évolution des technologies et quels ont été l'impact sur les comportements délinquants, donc sur la cybercriminalité par la suite. Et on va voir qu'il y a eu des développements assez importants au cours des années, et c'est assez fascinant de voir, et c'est là-dessus en fait que je vais mettre un peu d'emphase aujourd'hui, ce côté finalement de l'innovation criminelle qui peut ressortir de la cybercriminalité, et de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les nouvelles technologies ben, pour s'enrichir, que ce soit de manière légale ou de manière illégale. Donc, faire une espèce de portrait de cette évolution-là, qui nous amène au portrait d'aujourd'hui, qui parle donc des marchés criminels virtuels et qui sont vraiment le nerf de la guerre en ce moment. Ce qu'on se rend compte, c'est que les délinquants vont se réunir dans des lieux de convergence qu'on va appeler donc des marchés criminels, où ils vont pouvoir acheter et vendre toute une panoplie de services, que ce soit des numéros de carte de crédit, que ce soit des adresses de courriel, ou que ce soit des infrastructures même pour, par exemple, prendre le contrôle d'ordinateur. Donc, on va voir que ces marchés criminels-là ont évolué aussi dans le temps. On est rendu à la deuxième génération de marchés. Vous avez peut-être entendu parler de marchés comme Silk Road, qui est ce qu'on appelle un crypto-marché, qui vous permettait de commander de la drogue illégale et de la faire livrer chez vous dans le confort de votre foyer, avec pratiquement aucun risque d'arrestation. Donc, quand même assez sympathique comme innovation. Et on verra comment tout ça fonctionne. Et tout ça va nous amener finalement à une discussion des coûts de la cybercriminalité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et important. C'est qu'on va souvent parler des coûts de la cybercriminalité en disant qu'on parle de dizaines, de centaines de millions de victimes. On va parler de pertes en milliards de dollars. Mais dans les faits, est-ce qu'on estime vraiment bien les coûts de la cybercriminalité? Quels sont les enjeux par rapport à ça? Je pense que d'un point de vue légal, c'est quelque chose qui est excessivement important. Parce qu'on se rend compte, par exemple, dans le cas de Silk Road, j'en revenais tout à l'heure, mais au début de son procès, on parlait de pertes de 1,2 milliard de dollars, en fait, de vente de drogue autour de 1,2 milliard de dollars qui a été vendu sur sa plateforme. Et finalement, quand on se rend compte qu'on avance dans le procès, on se rend compte que finalement, ben, ce chiffre-là diminue jusqu'à autour de 200 millions. Donc, on voit que les services de police vont essayer d'augmenter finalement la menace pour essayer d'impressionner. Les services de sécurité, on peut penser à Symantec ou autre, vont aussi essayer d'augmenter la menace. Pourquoi? Ben, pour nous vendre des antivirus. Et donc, on va voir que nécessairement, ben, il y a plusieurs acteurs qui ont finalement avantage à essayer d'augmenter le sentiment de peur, alors que dans les faits, ben, ce n'est peut-être pas nécessairement nécessaire. Donc, c'est le portrait pour la présentation aujourd'hui. Et comme on parle donc des ateliers qui sont autour des mots, eh bien, je commence avec une définition de ce qu'est la cybercriminalité. Et évidemment, il n'y a vraiment pas de consensus là-dessus. Moi, j'ai mis la définition de Brenner en 2007 qui disait que la cybercriminalité inclut toute utilisation des technologies informatiques dans le but de commettre des activités illicites. Donc, pour moi, le plus simple est souvent le meilleur. Et je trouve que celle-ci est quand même assez simple et capable d'englober finalement toute une série d'activités, qu'elles soient en réseau, qu'elles soient sur un poste informatique en particulier. Et ça nous permet d'englober finalement tous les crimes qui ont un certain aspect technologique. Quand on prend cette approche-là, évidemment, on ratisse quand même assez large et il y a plusieurs moyens de recouper les différents comportements, les différents crimes qui sont associés à la cybercriminalité. Et ici, je vous ai mis les deux axes autour desquels est-ce que les crimes vont traditionnellement être compris ou analysés. Et donc, on aura dans un premier temps ceux qui divisent les cybercrimes entre les anciens crimes et les nouveaux crimes, on va dire les anciens cybercrimes. Et dans ces anciens crimes-là, on va parler en fait de ceux qui existaient avant même que l'Internet existe. Et donc ici, on va penser par exemple à la fraude nigérienne. Donc quand vous recevez une lettre qui vous dit qu'il y a un prince quelque part dans le monde qui vous envoie 10 millions de dollars ben, demain matin à 8 heures, si vous lui envoyez 10 000 dollars maintenant, bien, ça, c'est des fraudes qui existent depuis les années 1800 et qui ont finalement évolué avec les réseaux informatiques et l'Internet. On peut penser aussi au vol, on peut penser aux leurres aussi. Donc, on parle aux leurres d'enfants, bien, ça existait en fait depuis finalement le début de l'humanité et ça continue d'exister aujourd'hui avec la cybercriminalité. Maintenant, on a aussi à l'opposé les nouveaux crimes, donc des crimes qui
existent simplement parce qu'on a des nouvelles technologies qui sont présentes maintenant. Et donc, on peut penser, par exemple, au vol de télécommunications. Mais si on n'a pas de télécommunications, c'est un peu dur de les voler. Et on peut penser aussi, donc, distribution de virus, accès non autorisé à un ordinateur, pour reprendre des termes un peu plus légaux. Mais c'est ce type de criminalité-là qui ressort. Il y a un autre axe aussi qui nous permet de comprendre la cybercriminalité. Et ça, ici, c'est quand on s'intéresse à la partie en bas, où on va essayer de comprendre les cybercrimes d'une autre manière, en regardant quel est leur objectif. Et donc, dans la première classe, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les crimes qui visent l'intégrité des ordinateurs. Et ici, c'est des crimes, donc, par exemple, comme je le disais il y a quelques instants, les deux se recoupent évidemment. On va parler, par exemple, d'accès non autorisé à un ordinateur. On va parler de piratage informatique. Et dans ce cas-ci, on va créer une catégorie de cybercrime où l'ordinateur ou les informations qu'il contient devient la cible des délinquants. Donc là, on s'attaque vraiment donc, au système informatique lui-même. Dans la deuxième catégorie, on parle plutôt de crimes qui sont assistés par ou qui sont reliés aux ordinateurs. Et dans ce cas-ci, donc, on va prendre ceux qui tirent profit finalement de l'Internet. Dans certains cas qui existaient auparavant, on peut penser par exemple à tout ce qui est la fraude de propriété intellectuelle. Et surtout, plusieurs d'entre vous qui échangeaient peut-être des cassettes ou des CD de musique dans la cour d'école quand vous étiez plus jeunes, bien aujourd'hui, on peut s'envoyer des MP3 et c'est beaucoup plus facile. Et donc, ce type de criminalité-là va être assisté par les ordinateurs. Il va nous permettre, au lieu d'échanger avec vos 8 amis, donc votre pouvoir d'avoir de la nouvelle musique est assez limité, bien avec des choses comme Casa ou les réseaux de BitTorrent, on est capable d'avoir accès à toute la musique jamais produite dans le monde. Finalement, on a des crimes de contenu illicite, où là, on va parler davantage de tout ce qui est pornographie juvénile, ou même de pornographie dans certaines juridictions qui sont illégales. Et dans ce cas-ci, c'est des crimes qui sont reliés à du contenu et qui vont souvent être partagés avec d'autres personnes. Donc, on va essayer d'analyser ce qu'est et de comprendre comment est-ce que la cybercriminalité fonctionne. On va souvent l'analyser sous ces angles-là, donc de crimes anciens, de crimes nouveaux. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de recoupements donc, entre la cybercriminalité basée sur l'origine et celle qui est basée plus sur les objectifs ou les comportements des délinquants. Maintenant, pour comprendre la cybercriminalité d'aujourd'hui, je pense que c'est important de remonter un peu dans le temps et de rappeler peut-être des bons souvenirs à certains d'entre vous ou juste vous rappeler un peu de où viennent toutes ces technologies-là et comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui au système informatique qu'on a. Et donc, l'informatique, pour ceux qui n'étaient pas au courant, a commencé avec quelque chose comme ça, et ce qu'on appelle donc l'ère de l'unité centrale, et ça, c'est vraiment les débuts de l'informatique, et c'est ce qu'on a eu, en fait, dans les années 70, où finalement, avoir un ordinateur, il fallait vraiment être privilégié, et c'était des bêtes, finalement, qui étaient excessivement coûteuses, autant à acheter, à entretenir, à maintenir, à faire fonctionner, mais aussi qui prenaient des salles qui étaient aussi grandes, sinon plus grandes que le local ici. Donc, évidemment, ce n'était pas accessible à tous, et il y avait en fait peu de compagnies qui étaient capables de se payer des ordinateurs, et ce n'est pas tous les gouvernements non plus qui étaient en mesure de le faire. Et donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on voyait, par exemple, c'est qu'il y avait des compagnies qui se spécialisaient dans le traitement de l'information, qui envoyaient quelqu'un physiquement dans votre entreprise, qui venait chercher votre paquet, finalement, votre liste d'employés et des payes, qui partait avec, qui allait dans son entreprise, qui pitonnait ça dans l'ordinateur avec des petites cartes poinçonnées, et qui vous revenait finalement avec le sommaire de combien de payes est-ce que vous aviez payé dans ce mois-ci, et qui avait traité l'information pour vous. Donc, c'est vraiment un processus qui était excessivement long, où ça prenait finalement quelqu'un qui venait faire la navette entre l'information où elle était et l'information où elle était traitée. Avec le temps, on a vu l'apparition de terminaux. Et les terminaux, qu'est-ce que c'était? Finalement, c'était uniquement des écrans et des claviers qui nous permettaient de nous connecter aux unités centrales. Donc, c'était vraiment des appareils qu'on pourrait qualifier de stupides ou qui ne faisaient absolument rien, à part vous envoyer une image qui venait de l'unité centrale. Et tout se passait finalement, tout le processus de traitement de données se passait dans un point central qui était l'unité centrale. Maintenant, vers la fin des années 70, début des années 80, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Bien, c'est l'ère de l'ordinateur personnel. Et l'ère de l'ordinateur personnel, bien, on peut remercier Apple pour nous l'avoir amené. On peut remercier aussi IBM avec son ordinateur personnel compatible. Et c'est vers la fin des années 70, début des années 80, qu'on voit l'apparition de ces ordinateurs personnels et où ça devient possible, finalement, d'avoir son ordinateur à la maison.
Et donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une décentralisation du pouvoir de calcul où chaque personne, finalement, avait son petit cœur qui permettait d'analyser de l'information et ensuite de la traiter. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est qu'on a commencé à avoir une génération de personnes qui commençaient à comprendre ce qu'étaient les ordinateurs et de voir toutes les possibilités qu'ils avaient. Jusque-là, c'était un très, très, très petit nombre de personnes qui avaient accès à ces machines-là et donc ils pouvaient essayer de se familiariser avec elles et de comprendre donc, comment est-ce qu'ils fonctionnaient. Et donc, c'est vraiment là, en fait, que la criminalité a commencé, c'est avec cette démocratisation des technologies, avec les ordinateurs personnels. Évidemment, à ce moment-là, les ordinateurs n'étaient pas reliés entre eux, donc chacun avait son petit ordinateur et chacun peut traiter là-dessus. La troisième ère, et c'est celle dans laquelle on est aujourd'hui, donc on voit que les technologies, finalement, on a peut-être trois grandes phases. C'est celle de l'informatique dans les nuages, c'est assez cliché de parler de cloud computing, c'est un petit peu partout aujourd'hui. Mais c'est intéressant de le concevoir comme un retour, finalement, à l'ère de l'unité centrale, où finalement, les téléphones qu'on a dans nos poches sont intelligents, oui, mais ils ne sont pas si intelligents que ça. Ils ont besoin de faire traiter toute l'information qu'ils ont par des unités centrales. Donc, quand vous utilisez Siri ou sur Android, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais quand vous utilisez Siri, par exemple, sur votre iPhone, bien, Siri ne va pas analyser ce que vous dites, il ne va pas aller chercher des réponses pour vous. Tout se passe sur des serveurs de Apple quelque part aux États-Unis et ça vous est, la réponse vous est retournée. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a à nouveau une décentralisation des processus d'analyse des données qui est retournée finalement sur les unités centrales qui sont donc dans des grands centres de données. Et là-dessus, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène dans un service où on parle de logiciel comme un service ou de software as a service où finalement, on n'achète plus des logiciels, mais on paye des services. Et nous, évidemment, pour notre plus grand plaisir, au lieu de payer une fois pour Office 100 $, bien maintenant, Microsoft va nous dire « Payez-moi 30 $ par année jusqu'à la fin de votre vie. » Et donc, alors que les gens payaient une fois 100 $ aux 10 ans, bien maintenant, Microsoft va vous dire « Payez-moi 30 $ par année. » Et vous allez toujours avoir la nouvelle version d'Office, vous allez toujours être à jour, mais en même temps, il y a un coût qui est associé à ça. On peut penser à la même chose aussi pour les logiciels pour faire l'impôt. Je pense que c'est le temps de tous, là, sûrement là-dedans. Eh bien, encore une fois, le logiciel pour faire ses impôts, bien, il faut racheter une licence à chaque année. On ne peut pas uniquement acheter un logiciel qui analyse ou qui fait nos impôts. Il faut payer à chaque année. Et donc, mon but de vous présenter tout ça, c'est de comprendre et de situer un peu plus quel est l'environnement ou comment est-ce que la cybercriminalité a évolué dans le temps, comment est-ce que la cybercriminalité s'est développée dans le temps. Et donc, avant même, en fait, qu'on ait des cybercriminels, mais là, ce n'est pas le document, il ressemble quand même étrangement, je trouvais, mais du moins, c'est qu'il n'a pas vieilli depuis quelques années. Mais donc, les premiers, si vous voulez, hackers ou pirates informatiques, on peut appeler, c'est les fameux hackers du MIT et des grandes universités américaines, donc Stanford, Harvard et autres. Et ces personnes-là, en fait, on les appelle des pirates informatiques ou les premiers hackers qu'il y a eu, parce que finalement, ils étaient hyper ingénieux et c'était eux qui étaient vraiment férus d'informatique. Et eux, leur première criminalité était en lien avec l'accès aux ordinateurs. Avoir accès aux unités centrales était hyper difficile, ça coûtait excessivement cher, chaque minute était comptée. Et donc, qu'est-ce que ces hackers-là faisaient? C'est qu'ils essayaient de pénétrer dans les locaux la nuit, de trouver chaque minute où ils pouvaient finalement voler du temps d'unité centrale pour pouvoir y avoir accès. Et donc, c'est les premiers, si on veut, pirates informatiques qui essayaient finalement de s'infiltrer dans les ordinateurs, pas nécessairement pour nuire, mais vraiment juste par une quête de curiosité. Et ça, ça se reflétait en fait dans leur vie. C'est eux qui se sont spécialisés beaucoup dans le crochetage de serrures. Donc, ils étaient rendus excessivement bons. Pourquoi? Bien, pour rentrer dans les locaux où les ordinateurs étaient. Et ils ont aussi fait plusieurs, en fait, blagues qui sont quand même passées à l'histoire. Et ici, vous avez en fait les mêmes hackers qui avaient mis au-dessus d'un bâtiment au MIT ce qui semble être une voiture de police. Et à l'intérieur, il y avait même un mannequin, un policier qui buvait un café et mangeait des beignes. Donc, apparemment, même dans ce temps-là, c'était encore café et beignes pour les polices. Et dans les faits, ce n'était pas une vraie police ou une vraie voiture de police. C'était une vieille voiture qu'ils avaient repeinturée et retapée et qu'ils avaient réussi à hisser jusqu'en haut du bâtiment. Donc, vous donner un petit peu une image de cette première génération de hackers. La deuxième génération, on peut appeler ça la phase expérimentale. Et ici, c'est vraiment à la fin des années 70, au début ou durant les années 80,
où là, et où on se rend compte, donc les pirates se rendent compte, les hackers se rendent compte que ben, l'informatique existe et qu'il y a quand même des choses assez de fun qu'on peut faire avec tout ça. Et dans cette phase-là, ce que les hackers ou les pirates vont essayer de faire, c'est vraiment d'explorer les systèmes, d'explorer cet environnement informatique-là. Mais aussi, il y a un côté un peu destructeur qui est là, où ils vont essayer beaucoup de saboter finalement les ordinateurs. Donc, c'est le temps où on va voir que les virus vont essayer de ralentir les disques durs, vont essayer de mettre hors service les systèmes informatiques. Et c'est l'espèce parce qu'ils sont un petit peu sous de leur pouvoir, ils sont vraiment à la recherche de puissance. Et oui, ils vont faire des virus qui vont finalement tout saccager. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ces virus-là, à cette époque-là, étaient en fait des très mauvais virus et ils avaient plusieurs bugs de programmation à l'intérieur. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les bugs de programmation des virus étaient souvent plus problématiques que les actions projetées des virus eux-mêmes. Et ici, je vous ai mis l'exemple de Robert Morris, qui est devenu depuis une personne hyper respectable et qui a lancé plusieurs startups. Mais lui, en 1988, était un étudiant à l'université et il s'est dit, moi, je vais indexer, je vais faire le tour de ce qui était, si on veut, l'Internet à cette époque. Il voulait voir il y avait combien de machines qui étaient actives sur le réseau. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un verre qui allait de machine en machine et qui comptait donc le nombre de fois que le logiciel s'était installé pour compter le nombre de machines qui étaient actives sur le réseau de l'époque. Maintenant, lui, ce qu'il s'est dit, c'est que ça se peut que vu que je vais de machine en machine, je retombe sur une machine que j'ai déjà infectée. Et donc, son logiciel avait comme procédure que si le logiciel avait déjà infecté la machine, qu'il n'allait pas l'infecter une deuxième fois. Maintenant, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont trouver que je suis en train de faire ça et qui vont faire semblant que mon logiciel roule, alors que ce n'est pas le cas. Et là, lui, il a fait plein de calculs mathématiques poussés, qui étaient malheureusement pour lui pas assez poussés. Et il s'est dit qu'une fois sur sept, même si le logiciel me dit qu'il est installé, je vais le réinstaller une deuxième fois au cas où, et une troisième, une quatrième et une cinquième fois. Et malheureusement pour lui, vu que le réseau était assez petit et que son virus était quand même assez rapide, ben, le virus est installé tellement de fois sur chacune des machines qu'il a réussi à faire planter 6000 ordinateurs dans son lot. C'était vraiment incroyable. Et donc, il a mis hors service 6000 machines dans un temps quand même assez rapide. Et il a été arrêté par la suite, et pour vous donner une espèce de cadre de référence, pour avoir finalement nuit à ce qu'on peut appeler l'Internet de l'époque, il avait eu 3 ans de probation, 400 heures de travaux communautaires et 10 000 $ en amende, c'est quand même pas rien. Ce qui est assez intéressant, c'est que Robert Morris, donc fils, était le fils de Robert Morris Sr., qui était à ce moment-là employé de la NSC. Donc on ne dit pas qu'il y a un lien entre les deux, mais c'était assez intéressant de voir qu'il y a certaines expérimentations déjà à cette époque-là. La deuxième étape, c'est celle des années 90, où là on voit une sophistication de la cybercriminalité, des pirates informatiques, avec en trame de fond 2 modifications, 2 grands changements. Premièrement, c'est ce que vous voyez ici, les générateurs de virus. Et donc, dans le monde, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a très très peu de personnes qui sont capables de créer leur propre virus. Ça n'existe pratiquement pas, je ne mettrai pas un chiffre là-dessus, 1000, 10 000 ou 100 000 personnes, mais les personnes qui sont capables de créer un virus sont extrêmement rares. Et donc, ces personnes-là sont très, finalement, prisées par les autres parce qu'une personne qui fait un virus peut être utilisée par 1 million de personnes par la suite. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que les personnes, au lieu de créer des virus sur demande, et je vais revenir un peu plus tard, ils ont fait ce qu'on appelle donc des générateurs de virus qui vous permettaient de dire, par exemple, ben, moi, j'aimerais infecter une machine qui a Windows XP, qui a Adobe Reader et qui a la version, par exemple, 8 d'Adobe Reader. Et là, vous cliquez, une espèce de petit menu, vous appuyez sur OK et à la fin, ça vous génère quoi? Ça vous génère un virus, donc un fichier EXE, et quand vous l'envoyez à la personne et que la personne l'ouvre, ben ça installe le virus sur la machine et ça vous ouvre une petite fenêtre sur votre ordinateur à vous qui vous dit vous avez maintenant le contrôle de l'ordinateur. Et donc, la première transformation qu'on a eue, c'est cette espèce de démocratisation, finalement, de la cybercriminalité, où on était capable, finalement, même si on ne connaissait rien à la programmation, de s'attaquer aux ordinateurs. La deuxième modification qu'on a eue dans les années 90, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme des virus. Et là, on se rend compte que les compagnies de la sécurité informatique commençaient à lancer des antivirus. Kaspersky, McAfee étaient très impliqués. Et ils étaient très bons pour détecter les virus parce que les virus se ressemblaient quand même relativement tous. Et avec, en faisant des signatures des virus, on était capable de les détecter facilement. Et là, ce qu'on a vu, c'est le polymorphisme chez les virus où chaque virus devenait finalement unique. Et à chaque fois qu'il allait se copier sur un autre ordinateur,
Il allait changer le nom des fichiers qu'il utilisait, il allait changer sa façon de se comporter, ce qui faisait qu'on n'était plus capable finalement d'utiliser des signatures pour les détecter, et ce qui a compliqué grandement la tâche des logiciels antivirus à cette époque-là. La troisième étape, la troisième époque qu'on a eue, c'est les courriels de masse. Même si on peut penser aujourd'hui, pour ceux qui utilisent Gmail, je ne sais pas si vous recevez beaucoup de spam, personnellement, j'en reçois peut-être un par mois, on peut penser que ce problème-là est réglé, mais il faut se remettre en fait il y a quelques années, et le spam était un problème qui était vraiment criant, et les gens n'étaient pas encore entraînés à ne pas ouvrir les pièces jointes dans un courriel. J'espère que personne ici ouvre des pièces jointes de personnes qui ne connaissent pas. Mais donc, ce qu'on a vu, c'est que très rapidement, les délinquants se sont rendus compte qu'on peut utiliser les courriels pour faire circuler des virus, faire circuler des vers. Et partant de là, donc, ce qu'on a vu, c'est que très rapidement, 90, 95, jusqu'à 98 % des courriels qui sont envoyés à tous les jours ne sont pas des courriels légitimes de moi à vous qui vous invite à ma fête, mais c'est du spam qui est envoyé pour essayer de vous faire acheter des médicaments, des pilules, ou pour vous faire une espèce de fraude par ingénierie sociale. Et cette technique-là était excessivement puissante, et elle a permis finalement la diffusion extrêmement rapide des virus à travers finalement les courriels, et ça finalement c'était une des grandes innovations qu'ils ont eues. À ce moment-là, on a aussi eu des virus qui non seulement se propageaient plus vite, mais qui étaient aussi beaucoup plus difficiles à enlever. Donc, les virus, qu'est-ce qu'ils faisaient? Une des premières choses qu'ils faisaient, c'est qu'ils se connectaient à un serveur et ils se mettaient à jour. Donc, un peu comme Windows se met à jour, ben même maintenant, les virus ont des centres de commandement qui leur permettent de se mettre eux-mêmes à jour pour essayer de déjouer les compagnies de sécurité et pouvoir rester, finalement, implantés dans les ordinateurs beaucoup plus longtemps. C'est aussi à cette époque-là, donc au tournant des années 2000, qu'on voit l'apparition des premiers chevaux de Troie qui ont commencé à surveiller les activités des personnes. Et ça nous amène donc au milieu des années 2000, où on arrive avec les logiciels espions qui sont devenus excessivement répandus, et où les vers et les virus vont se propager très rapidement, et où ils vont utiliser les nouvelles technologies, donc tous ceux qui utilisaient Kazaa pour télécharger des chansons ou des jeux ou autre, mais ça passait beaucoup à travers donc, ces réseaux de poste à poste, la messagerie instantanée aussi, ils utilisaient tout ça donc pour se propager. Et ils utilisaient surtout ces virus-là pour collecter de l'information sur vous. Donc, c'est là qu'on va commencer à avoir des virus qui vont collecter quand vous tapez votre numéro de carte de crédit dans un gazeux. C'est à ce moment-là que les virus vont commencer à enregistrer l'information pour la renvoyer à leur centre de contrôle pour que le délinquant puisse l'utiliser par la suite. Finalement, on arrive, je vous dirais, à aujourd'hui, et là, on arrive vraiment avec le nec plus ultra en tout ce qui est cybercriminalité. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que les virus sont excessivement puissants et à un point tel qu'ils sont capables de prendre le contrôle d'ordinateur sans qu'on s'en rende compte et ils deviennent finalement l'équivalent de l'utilisateur qui est dans le clavier et la souris. Ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent avec nos ordinateurs et même plus. Et dans ce cas-ci, ce qu'on voit, c'est que pourquoi ils se sont rendus sophistiqués à ce point-là, c'est qu'on a vu le regroupement des délinquants en équipe. Et maintenant, écrire un virus ou produire un virus, ce n'est plus l'affaire d'une seule personne. Ça prend un spécialiste du réseautage, ça prend un spécialiste de la sécurité, un spécialiste de Windows. Et donc, on a plusieurs spécialistes qui vont se mettre les uns avec les autres pour créer les virus de la dernière génération. Et donc, on voit qu'il y a un niveau de sophistication qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait auparavant. Et là-dessus, je pense que le meilleur exemple qu'on a, c'est ce que je vous ai mis ici, qui est un exemple en fait de Crypto Locker. Et pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ce virus-là, ce qu'il fait, c'est qu'une fois qu'il s'installe sur votre ordinateur, il va encrypter avec une clé secrète tous vos documents, que ce soit Word, Excel, des PDF, des images que vous avez. Et ensuite, vous avez un pop-up comme ça qui apparaît sur votre ordinateur, une fois que tous les fichiers sont encryptés, et ça vous dit « Envoyez-moi l'argent et je vous envoie le mot de passe pour décrypter vos fichiers. Et si vous ne me payez pas, bien, vous n'aurez plus jamais accès à vos fichiers. » Et je peux vous dire que la promesse fonctionne parce que c'est en effet impossible de décrypter ces fichiers sans avoir le mot de passe que les délinquants ont utilisé. Et ce qu'on a vu, c'est que ce type d'arnaque-là ou de virus-là, qui est complètement silencieux, s'attaque en fait à peu près tout le monde. On a vu des services de police aux États-Unis qui ont dû finalement, qui refusaient de payer des délinquants pour leurs propres données, qui ont dû aller fouiller dans des vieux dossiers pour tout retranscrire l'information qu'ils avaient. J'ai des collègues que je ne nommerai pas à l'Université de Montréal
qui aussi se sont fait affaire, qui se sont fait avoir avec ça. Et il a fallu qu'on aille chercher donc des bitcoins, j'ai rien tout à l'heure, cette monnaie virtuelle-là, pour payer des délinquants, pour avoir les fichiers. Donc, ce qu'on voit, c'est quelque chose qui est hyper répandu. Et on parle, en fait, pour les personnes qui ont créé CryptoLocker, de plusieurs dizaines de millions de dollars de profits qu'ils ont fait. Et ce qui est très bien avec ce virus-là, c'est si vous êtes un petit peu paresseux, c'est qu'une fois que vous le lancez dans la nature, vous n'avez absolument rien à faire. Vous attendez qu'il infecte des ordinateurs et l'argent fait juste rentrer chez vous finalement. Donc, pas si mal quand même. Maintenant, toute cette évolution dans les technologies, au cœur des nouvelles finalement formes de criminalité, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est ce qu'on appelle des botnets. Donc, on a souvent entendu parler de ce terme-là dans les médias. Et c'est quoi les botnets, finalement? C'est des réseaux d'ordinateurs qui sont infectés et qui sont sous le contrôle d'un individu qu'on appelle en général les botmasters. Et donc, les ordinateurs qui sont sous le contrôle de ces botmasters-là, ben, ils sont entièrement sous contrôle, ce qui veut dire que la personne peut leur faire faire exactement ce qu'il veut, comme s'il était devant le clavier, devant la souris de l'ordinateur. Les botnets, aujourd'hui, jouent vraiment un rôle essentiel dans toute la cybercriminalité parce que c'est eux qui sont la source, bien souvent, de toutes les informations qui sont volées, mais aussi c'est eux qui sont la source de toutes les infrastructures, de toutes les puissances de calcul qui sont nécessaires pour lancer des attaques de cybercrime. Et donc, ici, en fait, je vous ai mis un graphique que je n'ai pas inventé moi-même, mais qui résume, en fait, toute la puissance, finalement, des botnets et tout ce qu'on peut faire quand on est capable de maîtriser un botnet. Ce qui est important de comprendre, avant que j'aille un peu plus en détail, c'est qu'on a des botnets qui font quelques centaines d'ordinateurs, mais qui ont aussi des botnets qui font quelques millions d'ordinateurs. Et quand vous avez sous votre contrôle 2, 3, 4 ou 5 millions d'ordinateurs, votre puissance finalement de feu, si on veut, entre guillemets, devient finalement imparable. Peu importe qui vous êtes, vous défendre contre ce type de réseau-là est pratiquement impossible encore à ce jour. Et donc, comme je le disais, les botnets, c'est l'espèce d'infrastructure sous-jacente à toute la cybercriminalité qu'on retrouve de nos jours. Et comment est-ce qu'on les utilise ou à quoi ils servent? Bien, la première chose qu'on peut les utiliser, c'est comme serveur web. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que les botmasters ne vont pas utiliser les botnets pour eux. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre des annonces dans les marchés virtuels dont j'en parle dans quelques instants. Ils vont dire, moi j'ai un botnet, est-ce que quelqu'un aurait une utilité pour lui? Et là, il y a des personnes qui peuvent lui écrire pour lui dire, ben, écoutez, moi j'ai de la pornographie juvénile, puis c'est pas tellement, sécuritaire de garder ça sur son PC de bureau. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est louer, par exemple, des ordinateurs qui sont infectés et entreposer la pornographie juvénile sur les ordinateurs qui sont infectés. Et là, le problème pour vous et pour moi qu'on a, c'est que si la police est en train de surveiller ces individus-là ou surveille les flux, finalement, qui circulent sur les réseaux et qui voient de la pornographie juvénile qui passe, ben, le problème, c'est que la pornographie juvénile est sur quel ordinateur? Elle est sur mon ordinateur à moi, qui a été infecté. Et si la police m'arrête, là, ça devient finalement mon problème à moi de démontrer que c'est pas moi qui l'avais mis là, mais que mon ordinateur a été infecté et que quelqu'un l'a déposé là. Et on a vu plusieurs cas, particulièrement aux États-Unis, ben, évidemment, où des personnes ont dû se défendre, mais vraiment bec et ongles, pour montrer que c'était pas eux qui avaient entreposé le contenu sur leur propre ordinateur. Et c'est pas toujours évident de démontrer ça à un jury ou à un juge qui n'est pas nécessairement très au fait de toutes les technologies qui existent. On peut penser à la même chose pour tout ce qui est les propriétés, la faute de propriété intellectuelle, ou encore au site de phishing, donc d'hameçonnage, où on va créer des faux sites qui ressemblent par exemple au site de Desjardins, où on va attirer les gens vers ces faux sites-là pour voler leur identifiant de connexion. Bien, évidemment, il faut que ces sites web-là soient entreposés quelque part, et pourquoi pas donc sur les botnets. Un autre système, une autre façon d'utiliser les botnets, c'est à travers des attaques contre les courriels. Et ici, ça peut être d'utiliser vos ordinateurs pour collecter des adresses courriels. Donc, si moi, je vais envoyer du spam, bien, ça me prend des adresses courriels. Et donc, quand j'ai le contrôle de votre ordinateur, chaque fois que vous ouvrez Gmail, je suis capable d'aller chercher tous vos contacts et de les mettre dans ma grande liste de personnes que je veux spammer par la suite. Donc, on est capable de collecter les contacts, mais aussi de collecter, par exemple, les numéros de compte, donc les identifiants de compte qu'on peut aller revendre par la suite. Donc, si moi, je veux lancer une attaque contre, par exemple, l'Université de Montréal, bien, avoir une adresse de courriel @montréal.ca pourrait quand même être très utile si je ne suis pas de l'intérieur.
Et donc, si quelqu'un peut me donner un utilisateur et un mot de passe, ça me permet d'envoyer des attaques qui semblent venir de l'intérieur du réseau, alors que ce n'est pas le cas. Un autre type de criminalité qu'on retrouve, un autre type, je veux dire, c'est ce qu'on appelle donc des attaques contre la réputation. Et ici, c'est que si vous vous connectez aux réseaux sociaux, LinkedIn ou autre, ben moi, ensuite, je peux reprendre votre accès et m'y connecter à votre place. Et donc, on a vu plusieurs attaques du type, disons, qu'on est deux personnes qui compétitionnent pour un poste. Ben disons que si quelqu'un va changer ma photo de profil LinkedIn pour des parties intimes de personnes inconnues, disons que ça peut mal paraître dans le processus d'embauche. Si je commence à dire absolument n'importe quoi, on sait que les employeurs maintenant regardent beaucoup nos feeds Facebook et Twitter, eh bien, si mon profil commence à dire des inepties racistes ou autres, disons que ça va beaucoup me nuire aussi. Donc, on est capable de vraiment nuire à la réputation des individus, et c'est dur après ça de dire, ben excusez-moi, j'ai été piraté. Déjà, ça nous fait mal paraître. Une autre attaque qu'on a, j'en ai parlé avec les crypto-lockers, donc les virus, on appelle ça du ransomware, ou des virus qui vont nous prendre en otage. Et une autre alternative derrière tout ça, c'est les faux antivirus, où là, le virus va s'installer et dire, il va vous avoir un pop-up qui va vous dire, attention, j'ai détecté un virus sur votre ordinateur, évidemment, c'est lui-même. Et il va vous dire, si vous payez 30$, je peux vous désinfecter et enlever le virus. Donc, vous payez le virus pour qu'il s'enlève lui-même. Et qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? C'est qu'ils vont essayer de vous mettre sur un plan annuel. Donc, je parlais des logiciels comme un service. On a aussi le crime comme un service. Et là, vous allez payer 30$ par année pour un antivirus qui fait finalement absolument rien. Et on peut voir la même chose avec le vol d'images. On a parlé beaucoup des webcams. Donc, où les gens vont prendre des photos de vous avec votre webcam sans que vous le sachiez, et ensuite vont vous envoyer des photos de vous en train de vous changer dans votre chambre et vous dire, ben, si vous ne payez pas 200$, je vais mettre ça sur Internet avec votre nom en bold et en gros qui flash pour que tout le monde soit capable de le retrouver facilement. On a évidemment, et ça c'est vraiment le nerf de la guerre ces derniers temps, toutes les informations de crédit, les informations financières. Donc, je suppose que la majorité d'entre vous se sont déjà fait voler leur numéro de carte de crédit ou ont déjà eu des problèmes à ce niveau-là. Bien, c'est quelque chose qu'on trouve qui est excessivement répandu de nos jours. Et on voit donc qu'ils vont utiliser les ordinateurs qu'ils ont pour surveiller vos accès à vos comptes bancaires. Si vous avez un fichier qui s'appelle visa.txt avec votre numéro de carte de crédit à l'intérieur, c'est comme la première chose que les pirates vont faire, c'est essayer de regarder est-ce que je suis capable de voir est-ce que ce fichier-là existe. Et si oui, voler les informations à l'intérieur. Ils vont aussi essayer évidemment de voler toutes vos identifiants de connexion à des comptes bancaires et aussi à vos comptes donc pour la retraite et autres. Finalement, on arrive avec toute l'activité qui est reliée aux ordinateurs eux-mêmes et où là, par exemple, on va parler de DDoS, c'est des Denial of Service ou des Distributed Denial of Service, donc des attaques par déni de service. Ou moi, si j'ai 2 millions d'ordinateurs sur mon contrôle et que je leur dis tous, ben, connectez-vous en même temps sur le site de rds.ca, ben, le site de rds.ca risque de ne pas être capable de gérer 2 millions de connexions simultanées. Il risque de finalement mourir de sa belle mort. Et donc, c'est pratiquement impossible de résister à autant de connexions en même temps dans le jour. Et ce qu'on voit, c'est que les pirates vont, par exemple, aller voir des sites de paris sportifs la veille d'un gros combat. Ils vont dire, ben, si vous ne payez pas 500 000 ben, nous, on va mettre votre site hors ligne. Et les compagnies qui sont souvent dans des paradis fiscaux ou autres n'ont pas tellement d'autre choix que de payer parce qu'ils vont faire des millions de dollars avec les paris sportifs et ils disent finalement, 500 000 ben, finalement, c'est un prix qui est gérable. On voit aussi au niveau de la fraude par clic où, et ça, je pense que c'est quand même assez brillant, vous faites une page où vous mettez plein de publicités avec des bannières. Et vous utilisez votre botnet pour aller visiter les pages avec les bannières publicitaires. Et vous faites peut-être un centième dessous chaque fois que la bannière s'affiche à l'écran. Mais comme vous avez 1 million d'ordinateurs qui viennent se connecter et qui regardent la bannière, bien pour vous, ça commence à faire beaucoup d'argent. Et donc, moi, si je peux faire ma propre page publicitaire avec toutes les annonces, embaucher un botnet pour qu'il vienne finalement visiter ma page. Et on peut séparer des prix 50-50 au niveau des profits. Donc, il y a beaucoup, en fait, de types de criminalité, beaucoup de formes de criminalité qui dépendent des botnets, qui sont, comme je le disais, l'infrastructure derrière, finalement, la criminalité moderne. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une division du travail qui va être faite
où les délinquants vont se spécialiser dans une certaine forme de délinquance. Donc, il y a des gens qui vont se spécialiser, par exemple, dans la fraude financière, d'autres personnes vont se spécialiser dans le piratage, d'autres dans l'extorsion, d'autres ben, dans peu importe quoi. Et ce qu'on voit, c'est que donc une division du travail qui va s'opérer dans le monde criminel au cours des dernières années. Et ça va nous amener donc vers un modèle où le crime devient un service et où moi, finalement, je n'ai pas besoin d'avoir aucune compétence technique. Je peux acheter à droite et à gauche les compétences dont j'ai besoin. Donc, si je veux faire de la fraude financière, je peux payer quelqu'un pour aller voler des numéros de carte de crédit. Et je peux payer quelqu'un pour aller dans un magasin avec une fausse carte de crédit, acheter le nouveau MacBook qui vient juste de sortir. Et moi, au bout du compte, j'ai payé finalement des consultants qui viennent finalement avec moi me redonner mon laptop par la suite. Et c'est moi qui peux se débrouiller pour leur vendre. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a cette division du travail. Et ça nous amène finalement à la naissance des marchés criminels virtuels où on a besoin que les individus se réunissent ou se rencontrent dans des lieux de convergence pour que si moi je suis capable, j'ai besoin de cartes de crédit volées, ben j'ai besoin de trouver un endroit où je peux aller rencontrer des gens qui en ont. Et donc ce qu'on voit, c'est que ces marchés-là virtuels ben, vont se passer sur Internet et ça va permettre aux délinquants d'interagir les uns avec les autres, de réseauter et d'acheter les services criminels les uns des autres. Et donc, ça nous amène au marché criminel virtuel. Et dernièrement, en fait, depuis le début des années 2010, donc depuis 2011-2012, on a vu l'apparition de marchés criminels de deuxième génération. Mais je commence par vous présenter rapidement ceux de première génération. Et là, certains d'entre vous se reconnaissent peut-être les chambres de clavardage IRC. Excusez-moi. Et donc, à gauche, vous voyez un exemple, en fait, de salles de clavardage IRC. Ce sont des salles où on peut aller échanger des messages publics ou privés les uns avec les autres, et où les délinquants, donc, allaient se regrouper, excusez-moi, pour finalement acheter et vendre leurs services illicites. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils mettaient une annonce, donc ils disaient, par exemple, j'ai 50 cartes de crédit à voler, qui aimerait ça les acheter? Contactez-moi par message privé. Et les gens pouvaient donc s'échanger. L'avantage d'IRC, c'est qu'il n'y a aucune archive de tous les messages. Donc, si vous n'êtes pas là au moment où le message est affiché, on ne peut pas revenir en arrière pour essayer de retrouver qui a dit quoi. Donc, d'un point de vue sécuritaire pour les délinquants, c'est vraiment très pratique. L'autre truc qui est très pratique, c'est qu'on peut utiliser des robots qui peuvent publier des messages à notre place. Donc, si moi, je veux vendre des numéros de carte de crédit, par exemple, je peux faire un robot qui affiche à toutes les 15 minutes un message qui dit « j'ai des cartes de crédit à vendre ». Et je peux même générer un script qui va automatiser la vente, dans le sens où quelqu'un va m'envoyer un message, il va me transférer de l'argent et automatiquement, mon robot va lui envoyer une autre carte de crédit. Donc, ça permet encore une fois d'être sur une plage en Thaïlande et de vendre des cartes de crédit quand même. L'autre type de marché criminel de première génération, si on veut, c'est les forums de discussion. Et là, tout le monde, je pense, a déjà visité au moins une fois dans sa vie un forum de discussion. Donc, on voit que tout ça est divisé donc, en sujet et en sous-sujet, où les gens, encore une fois, vont aller mettre une annonce et vont dire, par exemple, j'ai 150 ordinateurs infectés dans mon botnet, qui en aurait besoin et pourquoi? Et là, d'autres personnes vont lui répondre, vont contacter la personne pour essayer de louer ces botnets, pour pouvoir s'entendre sur un prix pour le louer. Ici, l'avantage, c'est pour nous, en fait, qui font de la recherche pour les services de police, c'est qu'il y a des archives complètes. Donc, dans les forums, je peux remonter 10 ans en arrière, voir qui a dit quoi à qui. Et ça devient très pratique. On essaie de recréer la personnalité des gens et les comportements qu'ils ont. Sur ces forums-là, il y a même un système de réputation qui a été instauré, un peu comme ce qu'on trouve sur eBay ou sur Amazon, où chaque personne va s'évaluer les uns les autres. Et ça me permet, moi, quand j'arrive sur le forum et qu'il y a 200 annonces pour les cartes de crédit, et je veux savoir qui, finalement, de qui je devrais acheter, bien, je peux regarder qui a la plus haute cote de réputation. Et là, ça me permet de faire un choix éclairé, à savoir, donc, exactement de qui est-ce que je devrais acheter les cartes de crédit. Maintenant, ces marchés-là sont en fait aujourd'hui encore très populaires, mais ils ont des problèmes de sécurité qui sont quand même assez évidents. Premièrement, c'est des marchés qui sont très faciles à trouver et c'est des marchés qui sont très faciles à fermer pour les services de police. Donc, une fois que je sais qu'il y a un forum qui vend des cartes de crédit, c'est relativement facile de trouver où le site est hébergé et ensuite de le faire fermer. L'autre problème, comme je disais il y a quelques instants, c'est qu'il y a des archives, finalement, avec toutes les informations qui sont disponibles, et les gens peuvent aller fouiller à l'intérieur pour retrouver, finalement, de la preuve, et ça devient très pratique.
Et c'est pour ça qu'on a vu, en fait, dernièrement, en fait, depuis 2011 et 2012, des nouveaux types de marchés criminels qu'on va appeler des crypto-marchés. Et ces crypto-marchés-là, c'est des marchés qui fonctionnent avec le même fonctionnement que les ceux de première génération, mais qui ressemblent, en fait, beaucoup plus à des marchés comme on peut voir ici, à ce qu'on trouve sur Amazon ou sur eBay. Donc, des sites qui sont beaucoup plus des sites de vente où à peu près n'importe qui peut aller vendre ses produits. Et donc, sur ces marchés-là, ben, on va retrouver à gauche, d'habitude, une espèce de menu avec tous les types de produits qui sont à vendre, et à droite, une liste avec des images et des prix et tout ça. Et donc, ici, on va voir qu'on va vendre des biens qui sont aussi physiques que virtuels. Donc, on peut vendre des cartes de crédit, des guides de piratage, mais aussi, on peut acheter de la drogue. Et quand on parle de produits physiques, on peut acheter des faux permis de conduire, des faux passeports, et tous ces produits-là sont envoyés chez vous comment? Ben, par la poste. Donc, tout ce qui est de plus convivial. Ici, vous avez, en fait, ici, c'est Evolution, qui est probablement le plus gros crypto-marché qui est en ligne actuellement. Et ici, on voit Agora, qui est aussi, disons, c'est le top 2. Et on voit que vous pouvez même acheter des bijoux, si à la Saint-Valentin, vous n'avez pas où acheter des bijoux. Ben, vous pouvez aller là-dessus, vous pouvez acheter des services, vous pouvez acheter des ordinateurs, des cigarettes, des fausses cigarettes. Vous pouvez vraiment acheter ce que vous voulez là-dessus. Et on peut dire en fait que les crypto-marchés sont bâtis autour de quatre innovations. Les crypto-marchés n'ont rien inventé, mais leur grand pouvoir vient du fait qu'ils ont rassemblé ensemble quatre technologies qui étaient auparavant séparées et qui sont maintenant retrouvées dans le même. Premièrement, on a l'utilisation de Bitcoin, donc ces monnaies virtuelles qui permettent de faire des paiements anonymes. Donc, avec les bitcoins, je peux acheter absolument ce que je veux et c'est pratiquement impossible de retracer mon identité. Donc, ça me permet premièrement, le premier maillon, de faire mes achats sans avoir peur d'utiliser ma Mastercard ou ma Visa et de me faire retracer par la suite. Deuxième technologie qu'ils utilisent, c'est le réseau Tor. Et de plus en plus, on voit qu'ils utilisent aussi d'autres alternatives comme le I2P, le Invisible Internet Protocol. Mais Tor, qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet de me connecter à un site web sans que le site web sache qui je suis. Donc, même si le site web est saisi, même si on passe au travers de tous les journaux de connexion, c'est incapable, on est incapable de savoir qui s'est connecté au site. Et le plus beau dans Tor, c'est qu'on a aussi l'inverse où je me connecte à un site, mais je ne sais pas où il se trouve dans le monde. Et c'est ce qui fait leur longévité, c'est qu'on est incapable de savoir Evolution Agora sont hébergés où dans le monde. Ils pourraient être hébergés à Montréal, à New York, à Timbuktu, on ne le sait pas. Et donc, c'est une technologie qui marche des deux côtés, qui permet finalement de se connecter à un serveur alors qu'ils ne savent pas de serveur est où, et à l'inverse, au serveur d'accepter des connexions, même si des personnes ne savent pas où ils se trouvent. La troisième technologie qui sont utilisées, c'est celle des comptes en fideicommis, donc du escrow. Et ici, ça veut dire que quand moi j'achète par exemple un kilo de coke en ligne, ben, je ne paye pas le vendeur directement, je vais payer le marché. Et le marché va garder mon argent jusqu'à temps que j'ai reçu ma coke, et en ce moment-là, ils vont libérer le paiement au vendeur. Ce qui fait que si moi, je ne reçois jamais ma drogue, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ouvre un billet de support auprès des administrateurs et je leur dis, écoutez, j'ai pas reçu ma coke, je suis vraiment triste, j'en ai vraiment besoin. Pourriez-vous faire quelque chose? Il y a un processus, finalement, de négociation qui se passe où les administrateurs vont négocier avec le vendeur et l'acheteur pour trouver une solution. Donc, ça nous protège de toute la fraude qu'on retrouvait sur les marchés de première génération où je vous payais 100$ en espérant que vous m'envoyiez des numéros de carte de crédit, mais en ne sachant pas si j'allais vraiment recevoir des numéros de carte de crédit et les numéros que j'allais recevoir, est-ce que finalement ils allaient être valides ou non. La dernière technologie, c'est le chiffrement des fichiers, des messages. Et donc, tous les messages qui sont échangés entre les vendeurs et les acheteurs vont être encryptés. Fait que si même moi je suis la police et que je vais saisir un serveur, ben j'aurai aucune information sur les participants parce qu'évidemment l'acheteur va envoyer son adresse au vendeur. Et bien, même si j'ai accès au message via l'adresse de la personne, vu que le message est encrypté, ben je ne peux pas aller lire et voir quelle était la personne qui l'a acheté. Donc tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les crypto-marchés en fait ont beaucoup augmenté ces marchés de deuxième génération là. Et aujourd'hui, on parle de manière très conservatrice autour de 50 000 annonces sur ces crypto-marchés-là, à peu près en tout temps, avec autour de 3 000 vendeurs qui vendent à peu près n'importe quoi. Et surtout, c'est le plus intéressant, et là-dessus, je sais que ça va se retrouver sur Internet, mais merci de ne pas me citer pour ce chiffre-là. Mais en 2012, on évaluait autour de 12 ou 13 millions de dollars US les ventes mondiales sur les crypto-marchés.
En 2013, dans une étude que j'ai faite, j'évaluais autour de 90 millions de dollars uniquement pour la vente de drogue. Et aujourd'hui, dans un chiffre, mais qui est une estimation que je ne voudrais pas aller répéter devant le Parlement, on parle autour de 700 millions de dollars. Donc, on voit qu'une explosion, finalement, des ventes et de la grosseur de ces marchés-là, qui fait qu'on peut s'attendre à ce qu'ils prennent beaucoup plus de place et que ça devienne, en fait, les lieux de convergence pour les délinquants, pour qu'ils puissent acheter et vendre leurs services en ligne. Maintenant, tous ces services-là, vous allez voir, si vous écoutez les nouvelles, qu'on va vous dire que c'est vraiment le fléau national. Ici, je vous ai mis quelques exemples. Symantec, qui dit que les fraudes par carte de crédit, je pense que c'était en 2009 ou 2010, on parlait de perte de plus de 5,3 milliards de dollars US aux États-Unis. On parlait, selon Business Week, en fait, de 20 milliards de dollars de fraude. Le FTC américain parlait de 47 milliards de dollars liés à la fraude d'identité. Et si vous lisez certains papiers, vous voyez comme Tim Simlou qui parlait, donc, que pour faire de la fraude en ligne, finalement, on n'a besoin d'aucune compétence et il y a une fortune à faire. Et là-dessus, j'en parlais au début, en fait, au début de ma présentation, où comment même la police, de qui on peut s'attendre quand même à avoir des chiffres qui sont plus fiables, mais dans le cas de Silk Road, qui était un crypto-marché qui a été fermé par eux, quand le marché a été fermé, la police a publié un fil de presse pour dire « on a fermé Silk Road, qui était responsable pour la vente de plus de 1,2 milliard de dollars de drogue ». Dans les faits, qu'on est rendu au procès, là, c'est venu le temps de vraiment mettre ces quatre sur table, on parlait beaucoup plus autour de 200 millions de dollars de vente de drogue. Donc, évidemment, c'est un chiffre qui est important, mais il y a une différence qu'on franchit la barre du milliard versus être à 200 millions. Je pense qu'ici aussi, il y a un travail qui est à faire. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes avec comment est-ce qu'on va séparer, comment est-ce qu'on va évaluer finalement les coûts de la cybercriminalité. Et là-dessus, le premier coup, en fait, c'est comment est-ce qu'on va arriver à séparer le vrai du faux. Et une des méthodes que les compagnies vont utiliser pour mesurer les coûts de la cybercriminalité, c'est Symantec, par exemple, qui va découvrir qu'il y a 46 000 cartes de crédit qui étaient vendues pendant une année dans ces marchés criminels dont je vous parlais. Et là, qu'est-ce que Symantec va faire? Va prendre ces 46 000 cartes de crédit-là et va les multiplier, donc, va dire que ces 46 000 cartes de crédit-là était vendu pour 163 millions de dollars dans les marchés. Et quand on multiplie 46 000 par le prix de la fraude moyenne liée à une carte de crédit, on arrive à une estimation autour de 5 milliards de dollars de pertes. Maintenant, le problème là-dedans, c'est que oui, il y a eu 46 000 annonces, mais ça ne veut pas dire que les 46 000 annonces ont été vendues. Ça ne veut pas dire que les 46 000 annonces, même si elles avaient toutes été vendues, c'était des vrais numéros de carte de crédit qui étaient vendus. Ça ne veut pas dire que la fraude moyenne qui a été en lien avec ces cartes de crédit-là était vraiment le bon chiffre. Et ça ne veut pas dire non plus que les banques n'ont pas réagi face à cette criminalité-là. Donc souvent, comme les chiffres qu'on va voir, qu'on va évaluer l'expert-criminalité, on va avoir finalement le dessus de la fourchette qui est le pire chiffre possiblement imaginable. Maintenant, le deuxième problème qu'on a, c'est quand on regarde le prix auquel ces services-là sont vendus. Et ça, je pense que c'est le plus criant au niveau des cartes de crédit. Ou si vous voulez acheter une carte de crédit en ligne, vous allez payer n'importe où entre 25 sous et peut-être 25 $ pour une carte Platinum Amex Corporate avec 50 000 $ de limite. Je ne connais pas de limite sur Amex, mais peu importe. Donc, on se rend compte que les gens vont vendre des cartes de crédit où il y aurait supposément des limites de crédit de 10, 20, 30 000 $ de libre, et donc beaucoup de potentiel de fraude, et ils vont aller les vendre pour 2 $ Et déjà, ça ne fait pas nécessairement de sens en se disant « Pourquoi est-ce que moi, qui ai ce numéro de carte de crédit-là, je le vendrais pour 2 $ alors que la personne qui me l'achète va aller se faire 10 000 $ de profit. Donc, ce que ça semble déjà nous sous-indiquer, c'est que les profits, finalement, qui sont liés à ces cartes-là, si moi, je la vends 2 $ j'estime peut-être que vous, allez faire 4 $ avec en moyenne. Vous n'allez pas aller faire 10 000 $ Et pourtant, quand on va mesurer les coûts de la cybercriminalité, on va se dire, les cartes avaient une limite de 10 000 $ donc, automatiquement, on a eu des pertes de 10 000 $ Ça ne fait pas tellement de sens. Les délinquants sont quand même assez intelligents à ce niveau-là. L'autre problème qu'on a, c'est la fraude parmi les fraudeurs. Et ça, c'est le truc que je trouve en fait le plus drôle, c'est que bien des gens disent qu'on peut faire plus d'argent en tant que criminel en fraudant d'autres criminels et en leur faisant croire qu'on leur vend des numéros de carte de crédit qui sont finalement juste des 16 chiffres qu'on a générés de manière aléatoire qu'en allant faire de la vraie fraude de carte de crédit. Donc, souvent, il n'y a pas tant d'argent que ça à faire finalement dans la fraude.
Et c'est des milieux qui sont excessivement difficiles. Il y a une étude qui disait que 22% des numéros de cartes de crédit qui étaient vendus en ligne n'étaient même pas des numéros de cartes de crédit valides. Donc, si on fait notre petit test, on est même pas capable de voir que c'est des vrais numéros de cartes de crédit. Et un autre exemple, c'est que les administrateurs, les gens qui sont impliqués là-dedans, vont offrir des services pour dire « Ben, envoyez-moi les numéros de cartes de crédit que vous avez achetés et moi, je vais vous valider si c'est des vrais numéros de cartes de crédit ou non. » Et dans les faits, ce que ces services-là font, ils ont un générateur de chiffres aléatoires qui est 0 ou 1. Et en gros, eux, ils gardent en copie toutes les cartes de crédit et ils vous retournent un chiffre vrai ou faux de manière aléatoire. Donc, on voit que c'est des milieux qui sont excessivement difficiles et c'est en étudiant l'offre de services criminels qu'on peut vraiment comprendre la demande et les coûts qui sont vraiment liés à tout ça. Quatrièmement, on voit que la réaction des institutions, oui, elle est présente, mais on pourrait la qualifier quand même de relativement mitigée. On peut penser aux États-Unis où on commence à peine maintenant à passer aux cartes à puce après des années de fraude, où on nous dit finalement qu'il y a des dizaines ou des centaines de millions de dollars qui sont perdus liés à la fraude financière. Bien, une chose qu'on peut être sûr, c'est que s'il y avait autant de fraude que ça et autant de pertes, ça ferait longtemps qu'on serait passé à la carte à puce. Tout comme il y a plusieurs services qui peuvent permettre, par exemple, qu'on fait des achats en ligne, plutôt que de rentrer le numéro de sa carte, il y a plusieurs services qui nous permettent de rendre un numéro, une espèce de petit identifiant qui est unique à cette transaction-là. Et au Canada, à ma connaissance, quelque chose qui n'est pas utilisé à ce jour, c'est peut-être dans certains cas, mais du moins pas à ma banque. Et donc, ça fait qu'on envoie notre carte de crédit dans plein de bases de données un peu partout, alors qu'on pourrait envoyer à la place un identifiant unique qui, même s'il serait volé, ne servirait pas à personne parce qu'il peut seulement être utilisé une seule fois. Et finalement, j'ai des problèmes au niveau des sondages. Quand on va élever les coûts, on va arriver avec des sondages auprès de 50 personnes, de 200 personnes avec des profils qui sont très limités et donc qui ne sont pas nécessairement représentatifs. Et donc, tout ça nous amène à une estimation des coûts qui mélange beaucoup de choses, en fait. Et oui, il faut comprendre que quand on parle de cybercriminalité, on a des coûts qui sont liés, premièrement, à la prévention, donc qu'est-ce qu'on fait pour se protéger contre la criminalité. Et ça, c'est probablement les pires coûts qu'il y a pas, les plus élevés. Il y a aussi des pertes indirectes, on peut penser à sa réputation ou à des clients. Je pense que Sony Pictures va avoir un peu plus de difficultés à convaincre les gens de travailler avec eux depuis leur piratage. Mais ça rentre dans les pertes quand même indirectes. On a les pertes directes qui sont donc l'argent qui a été volé, par exemple, dans un compte de banque. Et ça, c'est les profits des criminels. Et on a finalement les coûts de réponse qui ne sont pas négligeables non plus. C'est qu'une fois qu'on a été victime d'une forme de cybercriminalité, on va souvent embaucher des spécialistes qui vont nous coûter 300, 400, 500 $ de l'heure qui vont venir nous dire qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut se protéger à l'avenir. Et ça, c'est des coûts en millions de dollars qu'on va rajouter souvent au coût de la cybercriminalité, mais qui ne font pas partie des pertes directes. Et donc, ce qu'on se rend compte, en fait, en ce moment, c'est que les médias nous parlent beaucoup, en fait, des coûts de la cybercriminalité qui seraient très élevés, idem pour la police. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, on voit qu'ici, on a nos... ça paraît pas malheureusement. Mais on a ici, en fait, nos petits pêcheurs qui sont nos délinquants. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ça a tendance à attirer finalement beaucoup de délinquants. Beaucoup de personnes qui entendent constamment dire que la cybercriminalité, c'est facile. On n'a pas besoin de rien savoir maintenant que ça marche comme un service. N'importe qui peut le faire et faire beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on voit qu'il y a une augmentation finalement de nos pêcheurs qui sont nos délinquants. Et on voit parallèlement une diminution des poissons, ou du moins des poissons qui n'augmentent pas nécessairement. Je pense qu'il n'y a personne ici qui utilise le mot de passe « maman 123 », alors que si j'avais demandé ça il y a 15 ans, il y aurait sûrement eu peut-être 4 ou 5 dans la salle. Donc, je pense qu'on apprend à se protéger de plus en plus. Et ce qu'on se rend compte, c'est que le modèle, finalement, le coût de la cybercriminalité, ben, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus rentable pour les délinquants comme type de forme de criminalité, vu qu'on va souvent surestimer le nombre de fraudes. Et on se rend compte que quand on est dans ce milieu-là, c'est un milieu qui est très compétitif et qui est difficile finalement à être performant. Et là-dessus, ben, je pense qu'on va souvent mesurer le degré ou le coût de la cybercriminalité en regardant le niveau d'activité. Et ça, c'est une petite, je disais là-dessus dernièrement, mais je mets ici une image de la ruée vers l'or, où on a eu environ 100 000 personnes qui ont essayé de se rendre finalement dans les régions où il y avait de l'or pour devenir riche. Là-dessus, il y en a 20 000 qui se sont rendus à destination. Il y en a 4 000 qui ont trouvé ne serait-ce qu'un petit picot d'or. Et il y en a environ, on estime, 300 qui sont devenus riches.
Donc, c'est sûr que ça, on étudie la ruée vers l'or en regardant il y a combien de personnes qui sont parties de New York pour aller chercher l'or. Ça a l'air d'être quelque chose qui est hyper important. Mais dans les faits, quand on se rend compte quel est l'objectif au bout, on se rend compte qu'il y a un très, très petit nombre de personnes qui sont devenues riches. Et donc, petite métaphore par rapport à cybercriminalité. Et ce qu'on se trouve, en fait, je termine là-dessus, c'est qu'on se trouve avec une dichotomie, en fait, au niveau de la cybercriminalité, où on se rend compte qu'on a une masse de fraudeurs ou de criminels individuels qui sont eux-mêmes pas très expérimentés et qui sont finalement un peu laissés à eux-mêmes et qui deviennent des proies faciles pour qui? Pour les groupes du crime organisé qui sont en haut de la pyramide et qui, eux, ont les capacités, ont les technologies et qui sont capables de mener à bien des attaques, mais aussi de frauder cette masse, finalement, de criminels-là qui sont des victimes faciles. Donc, qu'on soit dans le crime ou dans le monde légitime, on a toujours cette distinction, 99% versus 1%. On y revient toujours, on s'en échappe. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Alors, merci pour cet exposé décapant qui lave un certain nombre de mythes et remet les choses en place. Je vous propose un échange, donc questions, réponses. Je vous invite à parler suffisamment fort pour qu'on puisse parler. La parole est à vous. Cyberterrorisme, c'est quelque chose, en fait, ben, il y a plusieurs façons de définir. Est-ce que vous parlez, par exemple, des attaques face aux infrastructures critiques, par exemple? C'est quelque chose qu'on a peu ou pas vu, en fait, jusqu'à maintenant. Quand on l'a vu, ça a été dans le cas d'États qui ont attaqué d'autres États. Mais c'est pas quelque chose, en fait, qu'on a vu, disons, venant de la part de délinquants communs. Et c'est quelque chose, en fait, qu'il faut réaliser, qui est extrêmement difficile à faire. On nous parle souvent, encore une fois, de la menace, par exemple, par rapport au système d'électricité qu'on peut avoir aux États-Unis, au Canada ou autre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un seul système unifié qui roule avec les mêmes machines et de la même manière. C'est un réseau où on a plein de parties qui sont connectées les unes avec les autres. Et ce qui fait que si on voulait vraiment s'attaquer à ce genre, finalement, d'infrastructure-là, bien, ça demanderait beaucoup d'efforts parce qu'il faudrait s'adapter à tous les systèmes d'exploitation qui sont utilisés, avec des machines qui sont reliées à Internet, d'autres qui ne sont pas. Et c'est quelque chose, en fait, que pour le moment reste beaucoup plus d'un point de vue théorique que pratique. Et là-dessus, on n'a pas vraiment d'idée de comment ça peut s'articuler, quelles seraient les conséquences, quelles seraient finalement, comment est-ce que ce type de criminalité-là pourrait s'articuler. Donc, devant le manque d'évidence que ce type de choses-là existe, on peut faire très peur aux gens en disant que oui, en théorie, ce serait possible de faire sauter une usine nucléaire en infectant ses ordinateurs. Maintenant, en pratique, c'est une autre paire de manches et on n'a rien vu qui s'approchait même de ça jusqu'à maintenant. Donc, on a vu quelques petits tests, mais jusqu'à maintenant, c'est beaucoup plus des États qui se sont investis dans ce type d'attaque-là. Et moi, je pense que, en fait, ça va être intéressant et non intéressant en même temps. Mais si on devait avoir une autre guerre mondiale, bien, je pense que nos réseaux sont relativement vulnérables, mais face à des menaces qui sont de la grandeur des États, qui peuvent investir avec, finalement, des millions de dollars et des équipes qui font plusieurs milliers de personnes. Et on verra qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais pour le moment, ça reste plus théorique que pratique. J'aurais une question. Ma formation est plutôt comptable et financière, donc je ne suis pas en droit. J'aurais une petite question. C'était une super présentation. Mon seul souci par rapport au coût, si c'est des entreprises qui attaquent d'autres entreprises, par exemple, les concurrents qui peuvent utiliser, je ne sais pas comment vous l'appelez, excusez-moi, des termes techniques, l'infrastructure de cybercriminalité. Ici, par exemple, des analystes financiers ou d'autres vont utiliser des informations privilégiées financière et puis il libère ça, il peut faire d'autres choses. Est-ce que ça, on le voit dans la recherche ou Les compagnies en général, ça va être beaucoup plus discret, donc toute la communauté va être beaucoup plus discrète. C'est sûr et certain qu'ils ont recours à ce type de services-là, qui sont quand même relativement accessibles à tous. Maintenant, on a très peu d'exemples, voire pas vraiment d'exemples au niveau de l'espionnage industriel. Ouais.
on en entend très peu parler au niveau de la cybercriminalité. On voit peu d'articles qui s'intéressent à ça. C'est quelle est l'ampleur du phénomène? On a très peu d'informations là-dessus. À quel point est-ce qu'ils l'utilisent, encore une fois, c'est un peu difficile pour nous d'évaluer. Pour le moment, ça reste quelque chose qui est assez discret, dont les compagnies, tant celles qui font ces crimes-là ne veulent pas parler, tant celles qui sont victimes ne veulent pas en parler non plus. Et étant donné donc que personne n'en parle, c'est plus difficile pour la police finalement de venir jouer dans ces plateformes-là. Tout comme qu'on parle de fraude par carte financière, où finalement la plupart des gens ne vont pas rapporter à la police quand ils se font voler leur carte de crédit ou quand ils la perdent. Et donc, ça ne permet pas de développer des statistiques. Et particulièrement moi qui viens de criminologie, on travaille beaucoup en fait avec les statistiques officielles. Et dans ce cas-ci, ça devient plus difficile de cerner le problème à la source. Mais on voit que tous les services finalement sont disponibles. Si vous voulez avoir accès au compte courriel d'un compétiteur, par exemple, ça va vous coûter quelques dizaines de dollars et vous allez pouvoir y avoir accès relativement facilement. Pendant que j'ai la parole, est-ce qu'il existe aussi, si vous parlez, une police de la cybercriminalité, une sorte d'anonymous qui se donne pour mission de punir un peu à la manière du Far West les délinquants? Est-ce qu'il existe des guerres internes dans les milieux cybercriminels? On le voit beaucoup, puis en fait, c'est un milieu où il y a beaucoup d'argent, puis particulièrement, on va le voir entre les différents marchés criminels, où il y a des administrateurs de ces plateformes-là qui vont finalement prendre un pourcentage de toutes les ventes qui se déroulent sur les marchés. Et donc, automatiquement, si mon marché est plus gros, je fais plus de commissions, donc je fais plus d'argent. Et on voit particulièrement à ce niveau-là où les marchés vont essayer de se pirater les uns les autres. Et ensuite, pour s'humilier, par exemple, moi, je pirate votre marché, je vais diffuser en ligne la liste de tous vos participants avec leur adresse courriel, leur adresse Bitcoin et autres. Et donc, partant de là, les gens ne vont plus utiliser votre marché parce qu'il va être insécuritaire. Ils vont venir sur le lien, je vais monter les commissions. Et pour nous, en fait, ça devient une source d'information qui est hyper intéressante parce que c'est des données qui viennent du milieu, qui sont publiées donc, par les compétiteurs. Et on voit les gens qui vont se pirater les uns les autres, mais ce n'est pas vraiment dans un souci de dire que ce que vous avez fait, c'est mal. C'est dans un souci de dire que vos clients, je veux les prendre. Et il y a un exemple assez intéressant là-dessus où il y avait plusieurs forums en fait, qui permettaient de vendre et acheter des cartes de crédit en ligne. Et il y a un hacker qui, ce qu'il a fait, c'est allé voir tous ses compétiteurs, il a téléchargé leur base d'usagers, les utilisateurs et les mots de passe, il les a importés dans sa propre plateforme à lui. Ensuite, il a attaqué tous les autres marchés pour les faire fermer, pour les mettre hors service. Et il a dit, venez sur ma plateforme à moi, j'ai déjà votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, juste à taper comme si vous étiez chez vous, vous allez pouvoir rentrer. Et donc, c'est ce genre d'attaque-là qu'on peut voir où les gens, finalement, vont s'attaquer. Mais encore une fois, c'est une question beaucoup plus d'argent que de conviction. Et concernant les crypto-marchés, il n'y a vraiment aucun moyen de tracer les transactions, sans aucun risque pour eux, de se faire des comptes. Il y a deux trucs, en fait. Premièrement, il y a les transactions de bitcoins qui, ça, sont pratiquement impossibles à retracer. J'entrerai pas dans les détails, mais il reste que les bitcoins, en fait, le problème, qu'on est capable d'automatiser sans aucun effort les transferts. Et moi, en dedans de pas une journée, je suis capable de faire, par exemple, 10 000 transferts. Donc, même si vous voyez l'argent vidéo, disons que j'ai 1 million de dollars, je peux le diviser en paquets de 5 000 dollars, former des paquets de 7 000, leur diviser en paquets de 10 dollars et faire que l'argent va circuler, mais ça va vous faire une carte qui est impossible à suivre. Et qui ne nous permettra pas finalement de suivre l'argent. Au niveau des serveurs comme tels, évidemment, vu que Silk Road a été fermé, quelqu'un a trouvé le site web et donc. Et ça reste le nerf de la guerre, et c'est la chose que j'ai le plus déçu dans le process, c'est que la police a trouvé où se trouvait le serveur qui hébergeait Silk Road, refuse de dire par contre comment elle a fait. Et là, ici, on rentre dans une espèce de catch-22 où, pour que Russell Brick, qui était la personne qui était l'administrateur, conteste le mandat de perquisition, il fallait qu'il accepte la propriété du serveur en disant « c'était mon serveur, vous avez fait un mandat de perquisition qui était illégal, je le conteste ». Et lui a décidé de ne pas prendre possession du serveur en disant « ce n'était pas mon serveur ». Et donc, il n'a pas pu contester le mandat de perquisition. Et donc, on n'a pas su comment est-ce que le site web avait été trouvé. Et en ce moment, la suspicion qu'on a, et on n'est vraiment pas sûr que c'est comment est-ce qu'ils ont fait, mais une façon de faire, c'est que
car tout le trafic passe à travers l'Internet. Et donc, si moi j'envoie une quantité phénoménale de données au serveur de Silk Road et que je suis capable d'avoir une vue d'ensemble de l'Internet, et là je pense que c'est seulement la NSA qui est capable de voir ça, je vais voir qu'il y a des bouts de l'Internet qui vont surchauffer, genre mon trafic qui va suivre un certain chemin jusqu'à temps qu'il se rende jusqu'au serveur de Silk Road. Mais donc, ce que ça implique, c'est un, avoir une capacité d'envoyer une quantité de trafic qui est assez grande pour faire surchauffer l'Internet, et deuxièmement, avoir une vue d'ensemble qui nous permet de suivre ce trafic-là sur Internet. Des capacités technologiques qu'on suppose qu'il existe peut-être, mais qu'on n'a pas de confirmation que ça existe. Maintenant, Silk Road a été fermé, il y a d'autres marchés qui ont été fermés, et encore une fois, on ne sait toujours pas comment est-ce qu'ils s'y ont pris, et la police essaie en fait de camoufler un peu comme ils ont fait, en partant, en se disant qu'ils ont dit, par exemple, ils ont trouvé un message de l'administrateur, il y a de ça quelques années, qui demandait de l'aide pour bâtir son crypto-marché, qui utilisait son adresse courriel personnelle à lui. Maintenant, est-ce qu'ils ont trouvé cette information-là parce qu'ils cherchaient son adresse courriel et ils sont tombés là-dessus? Ou est-ce qu'ils sont tombés sur l'information et ils ont découvert l'adresse courriel? Disons que j'ai plus l'impression que c'est le premier et non le deuxième. Donc, le mystère reste encore là-dessus. Mais ce que ça nous prouve, c'est que c'est des marchés qui existent depuis très longtemps. Et l'avantage, en fait, pour les criminels là-dessus, c'est que même si Silk Road est fermé, il va peut-être y avoir 1 ou 2% des vendeurs au maximum qui vont être arrêtés dans la frappe, mais pratiquement tout le monde et aucun consommateur. Donc, si vous êtes un consommateur, pas vraiment de stress, ni si vous êtes un vendeur. Aucun consommateur n'a jamais été traduit en justice par rapport. Il y en a eu certains, mais il faudrait vraiment être malchanceux pour que ça tombe sur vous en particulier. Il faudrait vraiment être malchanceux. Et pour vous, quelle est l'évolution de la cyber criminalité? Comment vous voyez que, à quel sens on va évoluer? Ben, moi, c'est vraiment ce déplacement-là vers le crime comme un service. Et ce que je trouve fascinant, c'est de voir les liens entre le côté légitime et illégitime, où on voit les mêmes forces, vu que tout ça est lié à la technologie. On va voir naturellement que les deux vont évoluer en tandem. Et ce qu'on voit, c'est que, par exemple, les bitcoins qui ont été inventés, mais pas du tout pour faire la criminalité, vont être adoptés par le côté illicite pour faire la criminalité. Et à l'inverse, on peut penser, par exemple, au réseau Post-à-Post, Napster, qui a inventé les réseaux Post-à-Post et leur a permis de devenir beaucoup plus efficace. Et après ça, ça a été repris pour faire Skype. Donc, on voit qu'il y a des échanges du côté légitime dans le côté illégitime, et les technologies, finalement, ne sont pas bonnes ou mauvaises, elles sont utilisées à plusieurs escients. Et ce qu'on voit, je pense, ça va vraiment être la stabilité versée, le crime comme un service, dans des marchés criminels qui vont s'implanter et qui vont permettre finalement au crime de se solidifier de manière de plus en plus sécuritaire, qu'on voit justement avec les crypto-marchés, avec les monnaies virtuelles, le réseau Tor et autres. Est-ce que les pays en particulier qui protègent un peu plus, c'est combien que d'autres, par exemple? On voit que le problème d'attribution est toujours très problématique en cybercriminalité. C'est que moi, si je suis Canadien et que je suis un pirate, la première chose que je fais, c'est que je m'assure de faire passer tout mon trafic par mon ordinateur en Chine, parce que je suis sûr qu'ils vont dire « Ah ben oui, c'est un Chinois, c'est sûr », puis ils vont se concentrer là-dessus, puis ils ne penseront jamais à venir me chercher ici. Donc, c'est excessivement difficile de retracer finalement qui est l'auteur de la criminalité, mais ce qu'on voit, c'est que si vous êtes en Russie, par exemple, ce qu'on entend, c'est une espèce d'entente tacite entre les criminels et les services de l'ordre russe qui disent que si vous vous attaquez à des gens qui sont à l'extérieur de nos frontières, on ne vous touchera jamais. Et quand on voit des virus russes, la première chose que les virus russes font avant de s'installer, c'est de regarder quel type de clavier vous avez sur votre ordinateur. Et si c'est un clavier qui est en cyrillique, ben le virus ne s'installera pas. Donc, si vous voulez vous protéger, ben c'est comme une technique qu'on peut utiliser. Mais on voit qu'en Russie, donc, c'est une espèce de protection, si on veut, ou tant que vous attaquez aux gens à l'extérieur, ils se disent qu'au contraire, vous ne vous êtes pas à nous. C'est pourquoi est-ce qu'on passerait notre temps à courir après vous? Et on a plusieurs cas, en fait, où la police, le FBI et autres aux États-Unis vont monter des attaques ou des arnaques de très sophistiquées en disant, par exemple, que vous êtes un délinquant, un hacker russe. Ben moi, je vais me faire passer pour Microsoft, je vais vous faire croire que je vais vous embaucher pour 1 million $ par année. Et je vais vous payer une semaine de vacances tout inclus à Hawaii pour qu'on puisse discuter de votre contrat. Mais dès que vous descendez de l'avion, il y a des policiers qui vous arrêtent pour vous accuser par la suite. Donc, ce qu'on voit, c'est que même s'il n'y a pas de collaboration, il reste que vous devez rester dans un petit nombre de pays et l'extradition va toujours être là. Et on a vu des gouvernements, particulièrement les États-Unis,
faire beaucoup d'efforts pour aller rechercher des personnes qui voulaient. Dernièrement, on parlait le hacker qui était responsable de CryptoLocker, où le gouvernement américain a mis finalement une récompense de plusieurs millions de dollars à quiconque pourrait mener à son arrestation. Donc, on voit qu'il y a une détermination qui est là, mais si vous aimez la Russie et que vous voulez passer votre vie là-bas, je pense qu'il y a moyen de s'en tirer. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des cas de dénonciation dans ce cas? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que quelqu'un, il dénonce un hacker, il dénonce une entreprise qui est dans ce genre de marché? Ou... On le voit peu, ce qu'on va voir, comme je disais un peu plus tôt, c'est vraiment des gens qui sont en compétition. Donc, on l'a vu aussi dans le domaine des faux médicaments, des médicaments qui sont volés ou contrefaits, où il y avait finalement deux groupes qui envoyaient du spam et qui essayaient de vendre leurs pilules. Et là, on a vu que les deux groupes ont commencé à se pirater, à se dénoncer les uns les autres à la police, envoyer de la preuve à la police pour faire condamner son compétiteur. Et on voit que quand il y a des dénonciations, ça vient peu du milieu. Et il ne faut pas se le cacher, nos services de police au Canada sont assez peu proactifs par rapport à tout ce qui est cybercriminalité. En général, ils vont être beaucoup plus réactifs, ils vont réagir face aux plaintes. Et le problème qu'on a, c'est qu'il y a tellement de cas de pédophiles qui peuvent être détectés ou qui peuvent être dénoncés en ligne, que la police, finalement, qui a des ressources qui sont relativement limitées, est-ce qu'elle va s'intéresser à un cas d'une petite fille qui est abusée ou d'un voleur de carte de crédit? Mais la petite fille va toujours prendre préséance. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement que, finalement, on n'arrive jamais à s'attaquer aux gens qui s'occupent des cartes de crédit, ou très rarement. Et donc, ça devient un problème où, finalement, on focus toutes nos énergies vers le leurre et plus la pédopornographie, beaucoup plus que des crimes qui sont à nature économique. Et là, on verra, en fait, avec le nouveau projet de loi, est-ce que, justement, tout ce qui... On parle beaucoup de surveillance du gouvernement, on verra si ils vont commencer à investir plus dans la veille ou surveiller, par exemple, les réseaux sociaux, surveiller les forums de discussion. Les services de police le font déjà en partie, mais ça va être de voir, est-ce que maintenant, on va rentrer dans une deuxième étape, avoir beaucoup plus de surveillance. Est-ce qu'on va devenir proactif? C'est ce qu'on verra dépendamment du budget. Est-ce que les organismes terroristes qui font de la propagande sur Internet sont considérés comme la cybercriminalité? Ça dépend, je veux dire, ça dépend de... En théorie, il va y avoir des articles dans le code criminel qui vont être comme ça, donc on pourrait dire que oui. C'est sûr que les coûts de problème est excessivement différent de ce qu'on peut retrouver dans la criminalité. Aujourd'hui, je me suis concentré beaucoup sur tout ce qui était la criminalité plus à titre acquisitif, donc pour faire de l'argent. Mais c'est sûr que quand on s'intéresse à tout le terrorisme, quand on s'intéresse au leurre, quand on s'intéresse à la pédopornographie, on a des enjeux qui sont excessivement différents. Et ça va être des personnes différentes, des personnes de police qui vont s'y intéresser. Moi, je pense que ça rentre dans la criminalité, oui. Maintenant, l'objectif est vraiment différent. Les individus vont être différents. Moi qui s'intéresse beaucoup aux réseaux criminels, si vous mettez un réseau criminel et un réseau terroriste, on voit tout de suite que ce n'est pas du tout la même organisation, le même fonctionnement. Donc, c'est ça a beaucoup d'impact à ce niveau-là. Mais ça rentre tout à fait tout le monde dans le criminel. En fait, ce que je retiens, c'est qu'il y a une certaine hiérarchie dans l'attention que les forces de police portent à la cybercriminalité. C'est-à-dire qu'il y a des crimes en raison peut-être de la vulnérabilité des victimes qui sont auxquelles on accorde une priorité, et d'autres qui finalement risquent de ne jamais véritablement faire l'objet de démarches policières significatives. Parce que c'est, oui, puis il y a aussi le problème, en fait, des statistiques officielles qui restent que, vu qu'on n'a pas de très bonnes statistiques officielles sur la cybercriminalité, ça fait que quand on fait l'état, finalement, des problèmes que la police rencontre dans une année, bien, la cybercriminalité ne ressort jamais comme étant une problématique importante, alors que, dans les faits, elle est beaucoup plus, et le chiffre noir au niveau de la cybercriminalité est excessivement élevé. Et donc, ça fait que la police va chercher à investir ses ressources où elle perçoit qu'il y a un problème. Et si la police ne perçoit pas qu'il y a un problème, ben c'est difficile pour elle de justifier ou d'investir des fonds à l'intérieur. Donc, je pense que ce que j'ai essayé de faire, ce que plusieurs de mes collègues essayent de faire, c'est de comprendre un peu plus l'ampleur du problème, comment est-ce que ces personnes-là fonctionnent, pour comprendre un peu plus quel niveau d'intérêt on devrait leur donner.
et tout en gardant en tête que, évidemment, il y a des crimes où les victimes sont plus réelles et beaucoup plus directes. Et c'est pas moi qui ai perdu 50$ sur ma carte de crédit, là, c'est quelqu'un qui a été abusé. Et donc, comment est-ce qu'on peut réagir à tout ça? Justement, quand on parlait de statistiques, moi, je voudrais juste me poser une question. Les cybercrimes, le taux de résolution des crimes par rapport à ce qu'on estime en quantité de crimes commis, comment ça se compare avec les crimes ordinaires qui n'utilisent pas la technologie? On enlève le téléphone, là, parce qu'évidemment, on peut se parler en profond, là, mais... Ben, le grave problème devient en fait, un, qu'est-ce qu'on considère un crime? Par exemple, moi j'essaye de me connecter au réseau interne de IBM et il y a certaines personnes qui vont me dire « Ok, mais qu'est-ce qu'un crime? Est-ce que chaque fois que j'essaye un mot de passe, c'est un crime? Est-ce que le fait que j'ai essayé de me connecter au réseau interne d'IBM est un crime? » Et déjà en partant, on va essayer de mesurer en fait la criminalité. L'unité d'analyse est hyper importante et va avoir un impact majeur sur les résultats qu'on va avoir par la suite. Le deuxième problème, c'est au niveau de la géographie. Donc, on va avoir des attaques qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Et le moindrement qu'on est intelligent, si on va être un pirate, pourquoi s'attaquer à des serveurs qui sont en Montréal quand je peux attaquer à des serveurs qui sont à Paris? Les risques de détection vont être beaucoup plus faibles. Donc, je pense pas qu'il y a des... Je pense que les risques sont beaucoup plus minces de se faire arrêter quand on parle de cybercriminalité. Évidemment, tous les types de criminalité vont être différents. Donc, c'est sûr que si je vais infecter votre ordinateur personnel à vous, les chances que je me fasse arrêter sont absolument nulles. Je regarde ma mère qui est avocate. Il y a quelqu'un qui avait fait un faux site de elle. Je trouve ça assez drôle parce qu'il y avait des têtes de mort en feu qui tournaient sur elle-même. Mais c'était un site d'avocat d'immigration. Je n'ai jamais compris vraiment le lien. Mais il reste qu'elle était faire une plainte à la police pour dire qu'il y a quelqu'un qui vend des services d'avocat en mon nom. Et ben, la police, finalement, ne sachant pas nécessairement trop quoi faire ou comment réagir, n'a rien fait à ce niveau-là. Et donc, on voit que le taux de résolution doit être incroyablement bas, mais je pense que c'est par une mauvaise connaissance des technologies, mais aussi par le fait que des personnes, des criminels, sont beaucoup plus distribués géographiquement. Et moi, en tant que policier, j'ai 40 heures à mettre par semaine de travail. Est-ce que je vais m'investir dans un dossier où la personne qui l'a attaqué vient probablement de Russie, que je ne serai jamais capable d'arrêter, ou est-ce que je vais m'investir dans un dossier où j'ai des bonnes chances d'attraper quelqu'un sur vendredi soir, qu'à la fin de l'année, j'aille ma récompense parce que finalement, j'ai fermé 72 dossiers. Donc, c'est sûr qu'il y a une motivation qui vient de s'intéresser aux dossiers les plus faciles, les plus probables auxquels on va pouvoir être capable de trouver une solution. Nous sommes rassurés et inquiets. Ben, merci pour cette présentation. Merci. Et comme je l'ai signalé, cette présentation dans les prochains jours sera disponible en ligne sur le site cherallerwilson.ca ou cherallerwilson.net. Vous pourrez donc réentendre, si vous souhaitez, cette intervention de professeur de l'école de criminologie de l'Université de Montréal. Merci, Jean-Serge. Et,